allons faire la théorie mais aussi la pratique. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler skincare, on va parler peeling et on va parler acide pour le visage. Donc on se retrouve en mode nude de chez nude parce qu'en fait on va tout faire ensemble. Non seulement on va en parler mais on va également faire l'application des produits ensemble. C'est pour ça que là j'ai absolument rien mis encore. Quelques petits préalables avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord bien sûr je précise que je ne suis pas médecin, ni dermatologue, ni spécialiste de la peau. Ce que je vais vous livrer là c'est les petites choses que moi j'ai apprises. Surtout pendant ces dernières semaines de confinement je me suis énormément intéressée au sujet. Parce que je suis tout aussi passionnée de soins que de make-up en fait. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire partager tout ce que j'ai appris ces derniers temps parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Et moi ça a complètement changé ma routine soins. Deuxième petit préalable, avant de parler vraiment d'exfoliation et de peeling, je vais vous dire pourquoi selon moi il est vraiment vraiment important d'exfolier votre peau. Donc notre peau c'est pas une couche unique. En fait l'épiderme il est constitué de plein de couches successives, vous le savez, qui se renouvellent et qui se régénèrent au fur et à mesure. Du coup en surface on a beaucoup de petites cellules mortes, de petites saletés, de pores qui peuvent se boucher, d'imperfections, etc. C'est pour ça que c'est primordial en fait d'exfolier sa peau pour pouvoir éliminer tout ça, tout ce qui est présent là à la surface, pour qu'ensuite la seconde couche, celle qui est en dessous, eh bien prenne le dessus. C'est pour ça qu'on dit faire nouvelle peau. La peau va se régénérer et en fait c'est vraiment super important parce que si vous le faites pas régulièrement, eh ben tous les produits que vous allez appliquer, que ce soit le matin, le soir, les sérums, les crèmes, les huiles, etc., ils vont pas bien pénétrer en fait votre peau en profondeur. Ils vont venir hydrater et ils vont avoir une action sur la première couche qui donc peut être constituée de saleté, cellules mortes, etc. etc. Et c'est vraiment dommage déjà parce qu'au prix où on paye les produits skincare aujourd'hui, je veux dire, on a envie de pouvoir en profiter au max et bénéficier vraiment de tous les bienfaits. Et on n'a pas envie que ce soit nos cellules mortes qui sont là à la surface qui en profitent. C'est d'autant plus important parce que toutes ces petites saletés, ces petites imperfections qui bouchent les pores, les petites cellules mortes, etc. qui sont à la surface, vont s'accumuler si vous exfoliez pas votre peau et du coup ça va être de pire en pire. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de faire une fois par semaine, d'exfolier minimum une fois par semaine. Voilà, très rapidement les bienfaits et l'utilité vraiment de l'exfoliation de la peau, surtout pour déboucher les pores qui constituent vraiment une grande partie de l'épiderme. Ensuite, le dernier préalable dont je voulais vous parler c'est justement l'exfoliation en elle-même. C'est vrai que pendant des années, et encore aujourd'hui, on nous a appris à exfolier notre peau avec des exfoliants qu'on appelle physiques ou manuels. C'est-à-dire avec des petits grains, donc ça peut être des petits bouts de noyaux d'abricot, ça peut être du sucre, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire voilà, des exfoliants physiques où vraiment on gomme en fait, ce qui marche, ça enlève vraiment les petites saletés, les impuretés, etc. Le problème avec ça, c'est que au fur et à mesure des années, les scientifiques se sont rendus compte que ce type de gommage et d'exfoliant physique créait des petites micro-coupures en fait dans la peau, ce qui fait que ça l'abîmait. Et votre peau, à partir du moment où elle est agressée, quelle que soit la cause de l'agression, hein, que ce soit des micro-coupures liées à un gommage ou autre d'ailleurs, elle, ce qu'elle va faire pour se défendre votre peau, c'est son seul moyen de défense, elle va produire du sébum. Et du coup, voilà, ça devient un peu compliqué. Et c'est pour ça que sont nés, il y a quelques années maintenant, les exfoliants qu'on appelle chimiques. Alors, ça fait un peu flipper quand on dit comme ça, exfoliant chimique. Moi-même, ça me perturbait, le nom me perturbait, exfoliant chimique. Du coup, je me suis renseignée, etc., j'ai bien cherché, et j'ai tout simplement compris que exfoliant chimique, ça voulait dire avec des actifs, et notamment des acides, on va en parler, qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas manuels. Du coup, on les applique, ils agissent tout seuls et on les rince. Alors moi, je continue de temps en temps à faire des exfoliants manuels. En fait, pour vous dire la vérité, je finis ceux que j'ai entamés ou ceux que j'ai dans mes réserves, mais j'en fais de moins en moins et je vais essayer maintenant de n'utiliser que des exfoliants chimiques parce que j'ai vu vraiment une différence sur ma peau et notamment avec les produits dont je vais vous parler. Puisqu'avec ce type d'exfoliant, vous n'avez aucune micro-coupure sur la peau qui fait que les bactéries ne rentrent pas, parce que c'est ça le problème des micro-coupures, c'est que ça crée des mini-ouvertures sur votre épiderme qui font que les bactéries vont pouvoir rentrer. Notamment si vous utilisez des cotons, les bactéries vont pouvoir rentrer via les cotons qui contiennent beaucoup de substances pétrochimiques ou même de javel, enfin voilà, plein de choses. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est privilégier plutôt les exfoliants chimique, même si le nom est pas très bien choisi, c'est, on va dire, plus naturel finalement que les exfoliants manuels, même si ça s'appelle chimique. Et ces exfoliants chimiques, justement, dans leur composition, contiennent beaucoup plus d'acides qui sont très très bons pour la régénération de la peau. Et justement, là on rentre dans le vif du sujet, ces exfoliants chimiques, ils contiennent des acides. Là aussi ça fait flipper quand on entend le mot acide,
on pense acide chlorhydrique, acide citrique, etc. Alors qu'on va pas du tout parler de ça. Les exfoliants donc contiennent beaucoup plus d'acides qui sont très bénéfiques pour la peau que les exfoliants manuels. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, parce qu'il existe 4 principaux acides qui sont vraiment très 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 bénéfiques pour la peau. Alors on a les acides AHA, les acides BHA, après on a l'acide hyaluronique et le rétinol. Voilà, c'est les 4 principaux. Sachant que ces acides sont contenus dans beaucoup beaucoup d'exfoliants chimiques, mais aussi dans plein d'autres crèmes, sérums, etc. Par exemple le rétinol, l'acide hyaluronique, etc. Mais là on va parler plutôt des exfoliants. Je voulais vous parler de tous ces acides vraiment dans cette vidéo parce qu'on voit énormément de choses sur internet, un petit peu partout avec plein de noms différents et tout ça, et on n'y comprend pas grand chose, et vous avez été vraiment très 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 nombreuses à me demander une vidéo un peu explicative sur le sujet, donc voilà, je le fais avec plaisir. À savoir que tous les acides, ça je vous le dis, c'est super important et je vous le dis d'ores et déjà, sont photosensibles. C'est-à-dire que si vous utilisez des acides sur votre visage, il faut vraiment, vraiment protéger votre peau du soleil. Parce que comme ils vont éliminer la première, enfin pas la, éliminer, pas la première couche de l'épiderme, mais tout ce qu'il y a dessus, vraiment la barrière cutanée, avec toutes ces saletés, ces impuretés, son sébum, etc. qui protège la peau, votre peau, elle va être doublement sensible et doublement vulnérable face au soleil. Donc vraiment, vraiment, si vous vous exposez, protégez-la. Et de surcroît, si vous utilisez des acides, sinon ça peut vraiment l'agresser, lui faire mal. Et donc, pour se défendre, si la peau est agressée, elle va produire du sébum. Et voilà, on en revient toujours au même souci, quoi. D'abord, et rapidement, l'acide glycolique. Je vous en parle parce que c'est un des acides que moi j'utilise le plus. Par exemple, il est contenu dans la glotonique de chez Pixi, dont je vous parle très 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 souvent. Il y en a 5% à l'intérieur, donc c'est pas mal quand même. Donc celui-là, c'est vraiment l'acide glycolique de base qui va venir exfolier la peau. Voilà, enlever toutes les impuretés, les saletés, les excès de sébum, etc. Il est moins fort que le rétinol, dont on va parler tout à l'heure, mais c'est vraiment le plus classique, on va dire. Il est quand même plus puissant que le deuxième, justement, de la famille des AHA, l'acide lactique, qui va aussi exfolier, en fait, hein, c'est leur fonction à tous. L'acide lactique, c'est le plus doux de tous les acides. Donc, il est notamment recommandé si vous avez une peau, par exemple, déshydratée, sensible ou desséchée. Comme c'est le plus doux, il vaut mieux que vous utilisiez celui-ci, l'acide lactique, puisque c'est celui qui va vraiment le moins agresser votre peau. Donc voilà, si vous avez une peau sensible, mais que vous voulez quand même exfolier, purifier, lisser votre grain de peau, atténuer un petit peu les taches pigmentaires, les ridules, etc., puisque c'est ça les bienfaits des acides, privilégiez plutôt le lactique. Et d'ailleurs, le lactique, on le trouve dans pas mal de produits laitiers, en fait. L'acide lactique, ou les ferments lactiques, on en entend parler dans la nourriture, voilà, l'alimentation. Mais il peut aussi être fabriqué chimiquement, quoi. Franchement, c'est le moins puissant de tous les acides, mais il marche déjà très très bien. Déjà mieux qu'un exfoliant manuel. Après, contrairement à tous les autres acides glycoliques dont je vous ai parlé et tous ceux dont on va parler après, celui-là, l'acide lactique, il n'est pas du tout asséchant, alors que les autres peuvent l'être un petit peu, comme je vous ai dit, si votre peau n'est pas forcément bien hydratée. Du coup, si vous voulez commencer, c'est vraiment pas mal du tout de commencer par celui-là parce qu'il n'est pas forcément hyper hydratant, mais en tout cas, c'est celui qui maintient le mieux l'hydratation. Ensuite, on a l'acide mandélique. Alors, j'ai pas encore assez de connaissances pour vraiment vous en parler, donc je vais continuer mes petites recherches et je vous en reparlerai. Donc, ces trois-là, ce sont les AHA. Après, on a les acides BHA. Et ceux-là, ils sont exceptionnels. Pour moi, ce sont les meilleurs. Donc ça, ça veut dire bêta-hydroxyacide. Le premier, c'était alpha, alors on est sur le bêta, quoi. Et le BHA, qu'est-ce que c'est, en fait? Le BHA, c'est l'acide salicylique. C'est la même chose, en fait. Si vous entendez BHA et acide salicylique, ça veut dire la même chose. Celui-là, c'est le plus efficace. Mais comme c'est le plus efficace, c'est aussi le plus asséchant. Il est plus asséchant que les AHA. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour commencer, mieux vaut privilégier le AHA que le BHA. Mais cet acide salicylique, ou BHA comme vous voulez, lui, il a une action vraiment très particulière parce que, en plus d'exfolier, purifier et tout, comme vont le faire les acides AHA, il va vraiment venir, en fait, rentrer dans vos pores. Il va pénétrer la peau par les pores. Il va s'incruster vraiment au fond de vos pores pour venir les déboucher, vraiment en profondeur. Donc, comme il est extrêmement puissant, c'est pour ça qu'il peut être un peu asséchant. Je préfère vous dire le côté négatif. Pour l'utiliser, voilà, faut vraiment avoir une peau bien hydratée, sinon ben, votre peau, c'est normal, elle va se sentir agressée. Donc si vous avez une peau vraiment sensible, évitez de commencer par celui-là. Ou alors, vous l'appliquez très localement, vraiment sur les endroits où vous avez beaucoup de points noirs
et de pores bouchés, par exemple, je sais pas, contour du nez, menton, enfin la zone T quoi, localement je veux dire. Moi je peux l'appliquer sur tout mon visage, d'ailleurs je vais le faire, ça me dérange pas parce que j'ai pas la peau déshydratée. Mais faites attention, je préfère quand même vous le dire. Et cet acide BHA, l'acide salicylique justement, il arrive à faire ça sur notre peau parce que c'est le seul acide qui est liposoluble. C'est le seul, c'est pour ça liposoluble, ça veut dire qu'il va venir vraiment se fondre à l'intérieur de votre peau pour pouvoir justement désincruster en profondeur, c'est le seul qui fait ça. Alors, il est surtout fabriqué de manière chimique, mais on peut le trouver dans certains ingrédients de la nature, comme par exemple la sole, mais voilà, c'est pas évident à trouver, c'est pour ça que souvent on l'achète sous forme de produit. Par contre, celui-là, forcément, c'est le meilleur pour l'acné, puisque l'acné, ce sont des excès de sébum, des imperfections, voilà, des points noirs, et comme lui, il va venir vraiment rentrer dans les pores pour les désincruster. Si vous avez de l'acné, le BHA, c'est vraiment le top du top. Donc, mini récap pour l'instant. Les acides AHA, les trois dont je vous ai parlé, glycolique, lactique, mandélique, eux, ce sont des acides de fruits, donc ils sont naturels, qui vont venir éliminer toutes les cellules mortes, et donc forcément illuminer le teint, unifier la peau, etc. Mais uniquement à la surface, donc première couche de l'épiderme, parce qu'ils ne sont pas liposolubles. Ils rentrent pas dedans, quoi. Le deuxième, le BHA, l'acide salicylique, c'est le seul qui est liposoluble, c'est pour ça qu'il est encore plus puissant que les AHA. Et en plus, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est déjà suffisant, l'acide salicylique, le BHA, il est antiseptique, il est inflammatoire, enfin, il a, en plus, il a tout plein de bienfaits, de fonctions, au-delà de la beauté de la peau, c'est vraiment un, il est vraiment très bon pour le corps, quoi. Ensuite, troisième acide, on a le fameux, le plus connu de tous, je crois, celui qu'on voit partout, l'acide hyaluronique. Alors, l'acide hyaluronique, il est produit naturellement par notre corps. On en produit, alors plus ou moins selon les personnes, etc. Mais on en produit naturellement. En fait, c'est un acide qui est hydratant, c'est-à-dire que notre peau, elle est bien faite, elle va produire elle-même, enfin notre corps va produire cet acide qui va venir hydrater en permanence notre peau et donc booster la production de collagène pour avoir une peau, voilà, un petit peu plus galbée, rebondie, gonflée, enfin pulpée, une peau plus jolie, plus uniforme, quoi. Sauf que, comme on a toujours envie d'avoir une peau ben, plus lisse, plus uniforme, plus belle, on consomme énormément de produits à base d'acide hyaluronique pour en apporter encore plus à notre peau que ce qu'elle produit déjà. Mais c'est normal, voilà, même moi j'en consomme beaucoup. Donc là, il y a tout plein de produits, hein, des sérums, des crèmes, toutes sortes de marques à base d'acide hyaluronique. Alors, faites attention parce que l'acide hyaluronique, fabriqué tel quel, est composé de trop grosses molécules pour pénétrer dans notre peau. Donc faites attention si vous achetez un produit à base d'acide hyaluronique qui est bien marqué derrière, dans les ingrédients et dans la composition, hydrolyzed HA. Parce que, comme là aussi les scientifiques se sont rendus compte au fur et à mesure des années que les molécules d'acide hyaluronique étaient trop grosses en fait pour pénétrer l'épiderme, ils ont créé une nouvelle forme en fait d'acide hyaluronique, enfin de molécules, beaucoup plus petites, des micromolécules, qui elles par contre arrivent à pénétrer notre peau. Voilà. Donc vérifiez, juste vérifiez, je sais c'est un peu chiant, mais franchement vérifiez. En plus ça coûte cher les produits à base d'acide hyaluronique, que dans les ingrédients il y a bien marqué hydrolyzed HA, au moins vous êtes sûr que l'acide va bien pouvoir pénétrer votre peau et votre peau va vraiment pouvoir en bénéficier, quoi. Ce serait dommage. Donc l'acide hyaluronique, contrairement aux AHA et aux BHA, contrairement aux deux premiers, lui c'est pas du tout un exfoliant, pas du tout. C'est un hydratant en fait, c'est un complément qu'on va utiliser qui est vraiment hydratant. C'est, je crois, un des meilleurs hydratants avec, ouais, sûrement le rétinol, tout ce qui est aloe vera, etc. Il y en a pas mal d'ingrédients qui sont vraiment extrêmement hydratants pour la peau. Je pourrais vous faire une vidéo dessus d'ailleurs si ça vous intéresse. Et en fait, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui va retenir l'eau. Du coup, c'est pour ça que quand on utilise beaucoup d'acide hyaluronique, on a cette impression de peau repulpé, un peu peau de bébé, bien gonflé, ou même quand on fait des injections d'acide hyaluronique, c'est justement pour avoir cet effet pour repulper, pour atténuer les ridules, les remplir, pour que la peau soit lisse et uniforme, parce que c'est vraiment lié à sa composition. Alors ça, moi je vous conseille d'en utiliser, vraiment, ça fait partie des meilleurs produits que vous pouvez utiliser pour votre peau. Moi celui que j'utilise en ce moment par exemple et que j'adore, c'est un sérum de la marque The Ordinary, c'est celui-ci, à l'acide hyaluronique justement. Donc il contient 2% d'acide hyaluronique pur,
ce qui est déjà pas mal. Et il contient également de la vitamine B5. Voilà, ils se présentent tous comme ça, hein, les produits The Ordinary. Après, j'ai ma crème aussi, ma crème Hyalucette, dont je vous ai parlé très souvent, à base d'acide hyaluronique que j'utilise énormément. Seul petit bémol concernant cet acide, il faut quand même que je vous le dise, c'est que comme c'est un acide qui appelle l'eau, si vous l'utilisez sur une peau qui est déshydratée, ça va avoir l'effet inverse et ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que je vous dis, c'est un complément. Il faut que votre peau soit préalablement bien hydratée. En fait, il faut qu'elle soit prête à accueillir l'acide hyaluronique pour pouvoir s'hydrater encore plus. Et dernière chose, c'est une molécule, l'acide hyaluronique, qu'il faut fixer. Parce que, comme il est gorgé d'eau, il va vite s'évaporer de votre peau, en fait. Donc, ne l'appliquez pas en dernier. C'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise ce sérum ou alors ma crème Hyalucette. Parce que ensuite, enfin derrière, je vais appliquer une crème hydratante ou autre chose. Je vais venir le fixer, le sceller pour que vraiment il ne bouge plus, qu'il soit comme bloqué en fait sur ma peau par le deuxième produit et que du coup ma peau puisse vraiment bien en absorber les bienfaits. Fixez-le par exemple avec une base hydratante, un fond de teint très hydratant ou alors encore mieux un fond de teint à base d'acide hyaluronique comme par exemple le fond de teint By Terry, celui-ci. Il est à base d'acide hyaluronique. Allez, donc, je vais essayer de faire vite avant de passer à l'application. On va passer au quatrième donc, au quatrième acide qui est le rétinol. Le rétinol c'est quoi? C'est un dérivé de la vitamine A. En fait, c'est le meilleur ingrédient anti-âge. Voilà, le rétinol, lui, il va venir vraiment... En fait, comme il booste la production de collagène dans votre corps, il va venir atténuer les petites rides, les petites ridules, les taches pigmentaires, etc. C'est un des premiers qui a été créé, ça fait des décennies. Et aujourd'hui encore, c'est le meilleur. Moi, j'utilise par exemple celui-ci de la marque The Inkeylist, voilà, qui s'appelle tout simplement rétinol. Donc là encore, le collagène, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on produit naturellement, sauf que plus on avance dans l'âge, avec les années, moins on en produit. On en produit énormément jusqu'à à peu près 20 ans, et après, la production naturelle par notre corps, elle baisse. Donc, c'est pas mal de venir compléter avec du rétinol en sérum ou en crème, comme ça, pour justement venir compléter ce que notre peau ne produit plus. Le rétinol va booster la production de collagène. Enfin déjà, il va en apporter et en plus, il va booster la production naturelle. Donc, petit à petit, ça va venir combler vos rides, ridules, etc. Par contre, il faut être patient avec le rétinol, hein, ça prend plus de temps. Le rétinol, il peut s'utiliser de deux manières. Soit, eh bien, comme je viens de vous dire, comme hydratant, donc en sérum, en crème, etc. Soit, il peut s'utiliser aussi comme exfoliant. Et là, il va avoir la même fonction que les AHA par exemple, il va venir éliminer les cellules mortes qui sont à la surface de la peau, donc lisser le grain de peau, atténuer un peu les taches pigmentaires, etc. Il fait une nouvelle peau lui aussi. Par contre, il est très puissant, donc attention, incorporez-le progressivement, surtout si vous avez la peau sèche ou déshydratée parce qu'il va venir assécher. C'est un peu comme le BHA, l'acide salicylique, c'est-à-dire que il faut quand même l'appliquer sur une peau qui est préalablement nourrie et hydratée. Voilà, surtout pas une peau desséchée. Sinon, je pense que vous avez compris, qu'est-ce qui va se passer? Votre peau, elle va se sentir agressée par le produit. Donc, son seul moyen de défense, c'est de produire du sébum, etc. Et on s'en sort pas. Donc, voilà. Et soyez patient parce que le collagène, c'est un truc qui se booste, c'est pas du jour au lendemain quoi. Donc voilà, la peau elle va en produire mais c'est petit à petit. Si vous lui apportez du rétinol, votre peau elle va comprendre qu'il faut booster le collagène et elle va le faire. Mais ça peut prendre des jours, des semaines, etc. Voilà, faut pas croire que tac, on achète par exemple ce type de produit pas mal dosé en rétinol, en une semaine on va avoir une peau beaucoup plus belle. Elle va être plus belle mais il n'y a pas de miracle quoi. Bon, je crois qu'on est pas mal pour la théorie, c'est déjà pas mal, mais dites-moi si ça vous intéresse ce sujet. Je pourrais vous faire des vidéos beaucoup plus développées sur chacun de ces acides, ou même des vidéos sur les produits les plus hydratants à vous conseiller, enfin voilà. Là c'était assez succinct, mais je voulais quand même vous en parler. On va justement passer à l'application maintenant, parce que vous avez été super nombreuses donc à me demander des conseils là-dessus, mon avis, etc. Je me suis dit quoi de mieux que non seulement d'en parler, mais de leur montrer vraiment. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un autre produit de la marque The Ordinary, c'est le Peeling Solution. Donc, les packagings sont tous pareils. Hein. J'aime beaucoup cette marque. Juste, je fais une aparté, c'est la seule marque que j'ai trouvée à ce jour, en 2020, qui fabrique des produits composés de tous ces acides, AHA, BHA, etc., à des prix défiant toute concurrence. Sinon, généralement, c'est hors de prix, ce type de compo, c'est abusé.
Et en fait, The Ordinary, comme ils misent sur des packaging vraiment, vous voyez, très simples, un peu médicamenteux, etc. Bon, après, c'est leur marketing. Ils mettent 90% du budget dans la compo plutôt que dans le packaging. J'utilise celui-ci une fois par semaine pour le moment. Donc, il s'appelle Peeling Solution. Donc, on va exfolier la peau, faire un peeling. Et il est composé, écoutez bien, à 30% d'acide AHA. Donc, ce qui veut dire qu'il contient le mandélique, le glycolique et le lactique, avec les bienfaits de chacun, plus à 2% de BHA. Donc on a les deux principaux acides qui nous intéressent, et il a une efficacité de malade. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Pour l'utiliser, vraiment, 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 nettoyez bien votre peau. Moi, je viens de le faire là, je l'ai nettoyé tout simplement avec du savon balai. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai bien séché. D'ailleurs, il y a encore des petites parties un tout petit peu mouillées. Il faut que la peau soit vraiment propre et vraiment tout à fait sèche. Les mains, pareil, doivent être nickel. Donc, je me suis lavé les mains, mais je vais mettre un peu de gel hydroalcoolique quand même sur les mains. Parce que, je vous l'ai dit, comme le BHA va vraiment rentrer dans les pores, si vous avez des bactéries et tout sur vos mains, elles vont rentrer également. Donc, faites gaffe, visage propre et sec et mains nickel. Et ensuite, tout simplement, donc je vais l'appliquer. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est une petite pipette. Alors, la couleur est un peu flippante, c'est un peu rouge sang. Mais c'est la couleur naturelle des acides de fruits, donc voilà, faut pas avoir peur. De toute façon, vous allez voir, je vais le faire sur moi et je ne vais pas avoir la peau cramée. Au contraire, elle va être magnifique. Donc, tac, j'en applique dans un premier temps quelques petites gouttes que je vais venir étaler bien bien partout sur mon visage en évitant le contour des yeux. Donc, ça sent les fruits. Ça sent comme une odeur de fruits rouges, vous savez, de groseille, myrtille, ce genre de fruits, quoi. Bon, moi, j'ai pas la peau sensible et j'ai la peau très bien hydratée. Donc, j'en mets sur tout mon visage. Voilà, je l'ai appliqué de manière uniforme. Surtout, j'en mets là où j'ai le plus de sébum, donc les ailes du nez, le nez et le menton. Je regarde l'heure, donc il est 14h16, je vais le laisser agir 10 minutes, c'est vraiment ce qui est marqué, 10 minutes, pas plus. En attendant, je vais me rincer les doigts, on va laisser agir 10 minutes, pile poil, et après tout simplement, on vient le rincer à l'eau tiède. Et en fait j'adore celui-ci, de la marque The Ordinary, parce qu'il contient les deux AHA et BHA, et c'est pas facile à trouver. Souvent on a soit l'un, soit l'autre, rarement les deux en même temps. Et rarement, jamais à ce prix-là. Donc vraiment, celui-là, il est exceptionnel. Celui-là, je le fais donc, je vous dis, une fois par semaine. Et sinon, au quotidien, j'utilise aussi un exfoliant chimique pour nettoyer ma peau tous les soirs. Alors, je le fais quasiment tous les soirs. Parfois, j'oublie, mais globalement, je le fais au quotidien. J'utilise le Pchit Magique de chez Garantia, celui-ci. Je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est un micro-peeling sans grains, c'est-à-dire chimique, à l'action biologique, qui contient des acides de fruits, donc des AHA, mais en beaucoup plus petite quantité, hein, bien sûr, puisque c'est pour le quotidien. Et notamment des acides de bleuet, de rose, d'amamélis, de thé vert, de citron, de concombre. Voilà, beaucoup de fruits et légumes, tout est bio. Et je vous en ai parlé, il marche super bien ce truc. Tous les soirs, j'ai l'impression d'avoir une peau sublime avec ça. Donc voilà, ça c'est pour le quotidien, ça c'est hebdomadaire. On m'a posé plein de questions, est-ce que ça pique, est-ce que ça fait mal, etc. Donc là, par exemple, je vais vous dire, ça pique pas. Alors, c'est sûr, c'est pas apaisant, c'est pas réparateur. Là, on sent que la peau, elle travaille. Je sais pas comment vous dire, ça fait pas mal, mais on sent qu'il y a du boulot. Notamment, moi, là, au niveau des ailes du nez, surtout, et du menton, moi, c'est surtout là, ça me fait, ouais, comme des micro-picotements. Je sais pas comment vous dire, c'est pas douloureux, hein, mais je sens que ça agit, quoi. Comme si je sentais, notamment le BHA, qui est en train de rentrer dans mes pores pour désincruster ben, toutes les saletés. Et perso, j'aime ça. J'aime sentir qu'il y a une action, qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça va bientôt être l'heure de le rincer, ça va bientôt faire 10 minutes. Donc, si je peux vous faire un mini récap, on a l'acide hyaluronique, qui lui, donc, n'est pas un exfoliant, qui est un hydratant, tout simplement, si vous voulez, d'hydratation, avec les consignes, enfin, essayez de respecter les consignes que je vous ai dit tout à l'heure. On a le deuxième, le rétinol, qui, lui, peut s'utiliser de deux manières, soit en exfoliant, soit en hydratant. Sa fonction principale, c'est vraiment de, grâce à la production de collagène qui va venir booster, d'atténuer les rides, les ridules, les taches pigmentaires, de lisser le grain de peau, en fait, et de l'uniformiser. Le BHA, donc, l'acide salicylique, à utiliser vraiment si, comme moi,
vous avez des pores qui sont bouchés, obstrués, ou alors vous avez des points noirs, de l'acné, que vous voulez vraiment exfolier de la manière la plus forte possible, de la manière la plus efficace et puissante possible. Mais ne pas commencer par ça vraiment si vous avez la peau sensible, sèche ou déshydratée. Et enfin, on a donc les AHA avec le mandélique, le glycolique et le lactique. Je vous ai pas trop parlé du mandélique, mais le glycolique et le lactique, ces deux acides-là, leur fonction c'est d'exfolier et tout ce qui s'ensuit. Le glycolique étant plus fort que le lactique, puisque le lactique c'est le plus faible de toute la famille. Voilà, si vous avez la peau normale, je veux dire mixte, grasse ou normale, vous pouvez foncer vers le glycolique direct. Par contre, voilà, si vous avez la peau sensible, déshydratée ou sèche, commencez plutôt par l'acide lactique. Ok, 14h26, j'ai tout rincé, ça fait du bien. Je vous dis, tout simplement au doigt à l'eau tiède, en évitant le contour des yeux bien sûr. Et là, donc là, mais là j'ai la peau tellement douce, tellement... ça fait tellement de bien, je vous jure. Donc là par contre je sens que ma peau elle tire un petit peu. Vous voyez, je suis pas très rouge. Il y en a qui font ce peeling et après ont la peau très rouge parce qu'elle réagit. On vient quand même de lui passer un bon coup de Karcher quoi. Moi ça va, elle est pas très rouge. Par contre je la sens sèche, elle tiraille. Donc là faut surtout pas rester comme ça. Surtout hein, parce que là on est vraiment à vif. Donc je vais bien sûr l'hydrater. Justement comme elle est bien propre, bien nette, je vais en profiter justement pour mettre le petit sérum The Ordinary à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5. Donc c'est pareil, hein, c'est une petite pipette. Voilà, je profite de ce moment pour que ma peau vraiment bénéficie là de tous les bienfaits de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5. Et là ma peau, je vous jure, elle a bu le produit, elle a bu le sérum, genre en 10 secondes dès que je l'appliquais. On sent qu'après le peeling, la BHA et AHA, elle a besoin d'hydratation, elle bouffe tout ce qu'on lui donne quoi. Là ça y est, c'est tout pénétré. J'ai rajouté par-dessus une crème Estée Lauder à l'acide hyaluronique justement. Je vais juste mettre une protection solaire. Déjà je vous conseille d'en mettre tout le temps, mais encore plus après ce genre de peeling. Sinon là si on sort et qu'on met la peau au soleil, la pauvre elle va être agressée. Voilà, donc là vous voyez je peux sortir. Ma peau elle est propre, elle est nette. Elle est gorgée d'acide hyaluronique. Comme ça, elle va s'hydrater tout le reste de la journée. Elle est protégée du soleil. Et ben voilà, j'ai ma peau toute belle. J'avoue que quand je fais ça, j'aime bien ne pas me maquiller et au moins pour la journée, la laisser respirer, profiter des bienfaits de tout ça, la laisser un peu, voilà, un peu au calme, un peu tranquille. Je vous montre quand même de près ce que ça donne. Bon, j'ai pas une peau parfaite, bien sûr, mais là, je la trouve quand même, par rapport au début de la vidéo, beaucoup plus nette, beaucoup plus propre, beaucoup plus uniformisée. Le grain de peau plus lisse, on voit beaucoup moins les pores, j'ai plus de points noirs, j'ai plus de sébum, enfin c'est le top quoi. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai appris des choses, peut-être. N'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez que je développe certains sujets de cette vidéo. J'ai essayé d'être assez concise. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon. Parce que c'est vrai que c'est un peu technique. J'ai fait de mon mieux. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. Que vous y verrez un petit peu plus clair dans tout ça. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que faire la pratique après la théorie pour vraiment montrer les choses. Si vous avez passé un bon moment, si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça m'encourage, ça me fait plaisir. De vous abonner à la chaîne, bien sûr si ce n'est pas encore fait, avec le nouveau nom de chaîne comme vous avez pu le voir. Moi j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Jusque là prenez bien soin de vous. Bye bye.